Ah oui, tu le sens l'air chaud là. Ah oui, tu l'as bien mangé la semaine dernière. Hein. Ah oui, c'est les vacances qui arrivent. Alors pour célébrer cette fin de saison dans The Big Game of Ski, bah un jeu qui va coller totalement à l'émission. Et un jeu qui va être ouvert dans un stream tout public. Alors c'est assez rare quand je clame haut et fort. Amener les enfants, ça va bien se passer, j'ai le limiteur activé. Mais oui, c'est la deuxième fois. Hein. Il y a officiellement une émission tout public, The Big Game of Ski. Les midlife gamers n'aiment pas trop partager d'habitude. Et donc, ouais, amener les mômes, ça va les intéresser, puisque ce soir on va parcourir un jeu qui a pas mal de choses à raconter, notamment sur cette magnifique époque que sont les années 80. Ce jeu c'est 1980X, 1980X. Un jeu qui est gavé de pixel love, un jeu qui est gavé d'attention à la fois rétro-nostalgique et de redécouverte de choses qui sont passées entre les mains de tout ce qu'on a aujourd'hui comme parents et qui vont passer probablement aussi dans les mains de tout ce qu'on a aujourd'hui comme môme. Puisque à la base des jeux actuels, bah, on a des tas de références aujourd'hui qui sont devenues un petit peu universelles. Et il faut dire que 1980X bah, joue pas mal avec ça. Le truc, c'est que le jeu pourrait se contenter de ça, c'est-à-dire reprendre des gameplays éculés et puis en refaire des remixes à sa propre sauce, mais en fait, ça va quand même vachement plus loin. Alors, il y a un truc qui va peut-être contrarier les gens, ce sont ceux qui s'attendent à vraiment jouer, faire du game, s'éclater. Il faut comprendre 1980X comme une narration plus qu'un jeu, puisqu'en fait, il va balader les gens dans cette époque et dans cet état où vous-même vous allez trouver des moments qui sont les vôtres et que vous aimeriez bien partager avec d'autres, y compris ces charmants petits bambins là sur la moquette qui sont d'ailleurs en train de prendre des marqueurs pour dessiner sur les murs, faites gaffe. Oui, les Gremlins, c'est rigolo. Donc, amener les Gremlins, on va aller explorer 1980X, ce jeu plein de pixel love assez hallucinant si vous avez vu la bande-annonce. Et qui en fait va avoir bien d'autres choses à raconter. On y va. Alors oui, quand on vous dit pixel love, on ne vous ment pas. Je vais faire un petit check de la balance avant de faire des conneries et de partir bille en tête. On va baisser un petit poil de jeu. Oui, toujours en live, The Big Game of Ski, c'est important. Live différé, mais c'est une prise et il n'y a pas de bullshit. Je me baisse mon retour, que vous devez avoir un petit peu. Alors, petit préalable, je vous invite à activer les sous-titres sur cette vidéo YouTube puisque le jeu est en anglais. Et mine de rien, on va pas faire que voyager et puis explorer du rétro game dans le sens courant du terme. Il va y avoir pas mal de narration, c'est pour ça que je vous invite à activer les sous-titres. Et puis vous verrez que bah, ces passages en anglais sont vachement intéressants. On y va? On est parti! Alors, le truc qui est rigolo quand vous lancez le jeu la toute première fois, c'est qu'il se présente comme une histoire. Et en fait, vous avez le jeune personnage qui va vous commencer à vous raconter sa vie dans les années 80,
comme c'était prétentieux, comme ça pouvait être crasseux dès qu'on soulevait un petit peu le tapis, et comme il y avait plein de choses qui nous ont plus ou moins marqué chacun. Et à chacun de ces chapitres, vous expérimentez une phase de jeu. Ça veut dire qu'en fait, on a là un multigame quelque part, et toutes ces phases de jeu que vous allez parcourir, bah, elles seront débloquées plus tard pour que vous puissiez bah, choisir indépendamment quelle partie vous voulez refaire. Mais ça, on va en recoser une fois que je vous aurai fait voir bah, le début. Beating Heart. Toute ressemblance avec. Oh, j'ai même pas besoin de vous dire. Huish! 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 Ah, bien là, punk! Avec ta copine Junkie, nous on n'aime pas trop ça dans notre quartier. Alors là, les têtes blondes doivent vous regarder en disant, mais c'est quoi un junkie? Je vous laisse leur expliquer. Hein. Ouais, je suis pas très doué à la baston, je suis plutôt pacifique. Mais bon, on peut taper des femmes, donc allons-y. Hein. C'était une boutade, les amis. En langage courant, une personne qui frappe une femme, ça s'appelle un lâche. Alors, le truc qui est rigolo, c'est que c'est très bien fait, oui. Mais c'est aussi très bien fait comme à l'époque, c'est-à-dire au début, c'est très bateau, quoi. Oh, un bidon. Oh, une batte dans le bidon. Oh, un punk. Un punk, une batte. Sa copine, la merde après elle, avec son petit couteau. Pif, paf, pouf. Voilà qui est réglé. Oh, la garce. Bon, je le finis, lui. Non, je le finis pas. Bon, ok. Je vais me faire dérouiller, moi. Par un sale punk à batte. C'est exactement ça. Il faut que je trouve des vitamines. Est-ce qu'il y en a dans ces poubelles? Yes! Il était temps. Ouch! Alors, sorti des considérations qui respectent tout à fait bah, la période, hein, y compris la musique limite nanar, où on sent qu'on a l'œil du tigre qui est avisé et pas loin, bah, le jeu en lui-même est pas super excitant, parce que si on prend les classiques, c'est pas pour autant qu'il est super maniable, super agréable à jouer et super pas répétitif comme on le voit. Donc du coup, au début, ça surprend. On se dit, mazette, mais que me réserve ce jeu? Est-ce que ça va être tout le long des démos de petites parties de gameplay? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus profond? Comme des coups de batte sur deux personnes en même temps. Et un bidon. La réponse tout de suite après la pub pour ce processeur du futur 8 bits. Bon, vous avez vu la pub du Z80? On continue. Il m'énerve, lui. Comme il me latte.
Oui, je suis le vrai kid de l'art martial. J'ai appris à frotter poncer très tôt dans ma vie. Ça va mal finir, ça va très mal finir, moi je vous le dis. Mais regardez-moi ça avec son hoodies, ne serait-ce pas Tonton K.O. Fallait que je la casse celle-là, désolé. There I was, up in my room, just like every other night, counting taillights on the highway. Soon the cars below would reach the city, but me, I'd still be here, stuck in sleepy suburbia. So I thought. But sometimes extraordinary things will happen if you just let them. Donc voilà pour cette petite première partie. Alors ça fait bizarre, hein. Je pense que vous vous attendiez à autre chose. Moi aussi pareil, je m'attendais à un type de jeu qui soit plus dans le game, on va dire. Et apparemment, je m'étais fourvoyé. Regardez-moi ce pixel love à profusion, cette rotation de palette talentueuse. Welcome to suburbia, just outside the city, sometime in 1980X. What you see around here used to be all that I cared for, because it was all that I knew. It was here that I'd met my first friends, rode my first bike, found my first love, and found out that nothing lasts forever. This is the place I grew up in and grew out of. A place I loved and hated.
remember walking around these blocks for hours, just waiting for something to happen. I knew I needed to move forward, but every day felt like I was on a road to nowhere. The same office buildings and cheap restaurants, the grocery store, the laundromat, and the video rental place where Dad used to take me on the weekends. He'd be looking for classics, while I was more into superheroes. Oh man, we could go on forever. But then, we didn't go there anymore. It was no big deal. These days, I guess I was just looking for anything that could make my heart skip a beat again. And that was when I found it. The factory was built long before I was born, but had been shut down and abandoned for as long as I could remember. Mom used to tell me to stay away from there, but there was something down that pitch-black alley that caught my eye. It took all the guts I had to go down the stairs. The basement air was thick with cigarette smoke and 10,000 volts of energy. And in the midst of this electric haze stood an army of high-tech creatures, their huge crystal-clear screens flashing before my eyes. I'd seen video games before. Dad even brought home one black and white model when I was really young. But this was something else. Something you could not take home with you. And this place was definitely no hangout for children. In front of these machines stood some of the coolest, uncool people I had ever seen. They were the freaks, the geeks, the misfits, the outcasts, the real rebels. Part of something the outside world could not understand or even knew existed. These guys were all playing trance-like, totally absorbed, as if they experienced something from another dimension. Maybe I could be one of them. Alors, avant de rentrer dans Out of the Void, qui apparemment est un shooter, on vient de se faire un beat'em all et on va aller dans un shooter. Je vous rappelle que vous pouvez activer les sous-titres pour si vous avez des problèmes avec l'anglais, pour pouvoir suivre un petit peu l'histoire qui est vraiment sympa. Parce que du coup, elle raconte tout ce que nous, les midlife gamers, on a plus ou moins vécu. Et donc, le jeu n'est pas un jeu à proprement parler, puisque en fait, il est une compilation de gameplay, de ce que j'ai compris. Et là, on va partir dans la partie shmup, bien entendu. Alors normalement, je devrais m'en sortir correctement. Et regardez-moi ce pixel love encore, quoi. C'est que du bonheur. Alors, bouton de tir, il est où? Non, ça c'est jump. Et vu qu'on n'est pas dans un beat'em all, on peut pas jumper. Ok. Et je peux charger. Bon, c'est bon, je maîtrise. Comment ça, monsieur K, tu es prétentieux dès le début? Non, 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 pas du tout, mais je... Un shmup, s'il est bien fait. Et ça va être la grande surprise, parce que du coup,
quand on fait ce genre de produit, il est courant quand même qu'on fasse plein de petits jeux, mais très souvent bâclés, quoi. Or, la partie beat'em all, elle était peut-être un petit peu ennuyeuse, mais elle était pas dégueu. Et puis du coup, elle reproduisait bien ce qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments où on s'emmerdait royalement, merci bonus. On s'emmerdait royalement parce que c'était très très répétitif. Et alors, il y avait des spécialités aussi chez les éditeurs, notamment SNK. C'était, quand t'arrivais sur le dernier tableau, c'était rien d'autre qu'une suite de tous les boss que tu t'étais tartiné dans les tableaux précédents. Alors c'est bien pour la durée de vie, mais niveau gameplay, c'est pas super funky, comme on peut dire. Le gros vaisseau qui fait plusieurs écrans, ça c'est la classe. Alors, faut remettre dans le contexte, hein, quand vous étiez minot, on vous faisait voir des sprites qui avaient cette gueule-là, vous étiez à genoux devant la borne, quoi. Vous disiez, oh, c'est trop beau. Oui, si je le descends pas, ce gros vaisseau, il va pas se flinguer tout seul. À moins qu'il fasse un Nervous Breakdown. Je t'ai vu, le gros. Alors ça, c'était la grande classe. Alors pareil, remis dans le contexte, pour les gens qui n'ont pas connu vraiment l'époque, faut savoir que dans les années 80, il y a eu une grosse évolution dans les jeux, c'était les scrolling. Ça veut dire qu'on n'avait plus des objets qui se baladaient sur un plan unique, mais qu'on pouvait dissocier les plans du fond pour donner une impression de profondeur à toute cette belle 2D. Et mine de rien, les scrolling dans les années 80, c'est purement représentatif de toute cette gamme de jeux plus ou moins géniaux, voire même certains ratés. Et du coup, c'est vachement rigolo, quoi. Avoir un défilement doux comme on a ici, avec des gros pixels malgré tout, c'était pas trop d'actualité à l'époque. Hein. Oula, le passage AirType. Alors, les références sont très drôles parce qu'elles sont vraiment choisies et évidentes. Et mine de rien, le gameplay est potable, quoi. C'est ça qui est hallucinant. En général, on s'attend qu'on a un produit comme ça qui s'amuse à faire goûter un petit peu de tous les gameplays de certains jeux. Enfin, on s'attend souvent à avoir de la daube. Et mine de rien, comme je disais tout à l'heure pour le beat'em all, la partie shooter, elle est pas mal. Puisque c'est jouable, assez facile, c'est certain. Le but, quand même, c'est pas de rendre les joueurs professionnels de chacune des parties qui composent le jeu, mais juste leur faire goûter, quoi. Genre, ça, vous connaissez, les mômes ne connaissent pas. Si vous leur faites goûter, vous allez voir les jeux qui leur plaisent le plus, hein. Et du coup, ça vous donnera des tas d'idées sur des titres à partager avec eux pour essayer de vous marrer ensemble autour de jeux qu'on vieillit mais qui prennent les rides sans la moindre honte, quoi. Rouge, c'est mal, ça ne te casse pas. Ok, je note pour plus tard. Ah, je suis mort. Je suis mort et c'est moche. Monsieur K va arrêter de parler. Monsieur K a besoin de tout son focus, car apparemment ce passage le nécessite. Concentré ne passe pas à travers les ennemis qui fait péter. Et du coup, quand on a certaines habitudes d'autres types de l'époque, on se fait un petit peu surprendre comme ça m'est arrivé là. Genre pour l'instant, mieux vaut avoir le tir piu-piu-piu que le tir concentré, ça passe beaucoup mieux. Hein. Vous avez vu, niveau de difficulté, c'est quand même pas du méchant hardcore. C'est casual, accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un dieu du beat'em all ou du shmup pour passer ce que j'ai passé jusque là. Oh là. What the what?
Non, non, je garde mon tir chargé, là, je sens que le fameux boss est prêt à m'accueillir. Il a des bras. Oui, il a des bras. Hop. Oh, putain. Gentil, gentil, le gros, gentil. Alors, je vais faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Utiliser le petit tir multiple, parce qu'apparemment, ça paye vachement plus que le gros tir chargé. Voilà, oh, le coq. Non, non, non. Le fameux non, 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 The Big Game Husky. Un grand classique. Hop, purée. Je vais laisser les vivre. Ah non, 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 non. C'est ça, fuis, espèce de peureux. Mais n'aie crainte, mon courroux n'a pas de limite. Je te retrouverai, me... Ah si, j'avais un petit peu de réverbération sur la voix. Donc le jeu est vraiment rigolo quand même. Et ce Pixel Love toujours, quoi. It wouldn't be fair to say I didn't do my best in school. At least for a while, I really tried to make it work. But now, walking those hallways with all those people, I wasn't really there. I was on an asteroid somewhere, fighting space invaders. But then there was her. Punk rocker from the Southern District. She was the wildest thing I'd ever seen. Oh man, that girl was born a rebel. Free to go wherever she wanted to. Free in a way I could still only dream of. Et c'est donc l'occasion de jouer à Runaway, sans Joan Jett d'ailleurs. Donc comme vous voyez, Pixel Love, et en plus on a une narration derrière, donc c'est assez rigolo, et on prie pour que l'histoire soit super intéressante finalement, puisque elle nous raconte des choses qui sont pas si inconnues que ça, et la plupart d'entre vous allez sourire assez discrètement vu qu'il y a des mômes, en vous disant, bah oui, ça me rappelle effectivement quelque chose. Et c'est assez génial pour ça. Le titre joue la nostalgie geek à donf, et c'est super bien fait, on peut pas dire le contraire. Maintenant, les parties jeu, bah on va regarder ce Runaway ce que ça donne. Let's go. Oh my god. Lotus Challenge, le retour. Ah oui, c'est du Lotus Challenge, ça, les gars. C'est pas du Outrun. Et la musique, toujours dans le bon esprit. Oh, 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 oh. Alors, je vous laisse expliquer à vos mômes pourquoi, à l'époque, on avait des jeux de course avec des sprites qui étaient, regardez-moi ça au loin, zoomés. Oui, les machines n'étaient pas assez puissantes pour faire de la 3D. Donc, à l'époque, il était de bon ton de faire des jeux en 2D avec cette illusion de 3D faite par un petit calcul rapide de la grille qui est faite par la route. Et puis, pour pas charger le processeur qui déjà en bavait à calculer ça plus le décor, on se rajoutait par-dessus des sprites qu'on faisait en gros, et puis qu'on faisait venir en zoomant dessus progressivement. Là, purée, je vais me planter. C'est ça de parler en conduisant, c'est pire que l'alcool. Ah oui, c'est très Lotus. Alors Lotus Challenge, tous les cadras sont obligés de connaître. C'était un titre relativement incontournable dans la période 8 bits et qui a continué dans la période 8, 16 bits et 16, 32 bits. Notamment avec les Atari et Amiga, nos regrettés Atari et Amiga, qui se faisaient la guerre alors que c'était des machines toutes deux superbes.
je conduis comme un dieu. Bah, j'imagine qu'il y a la blonde de Outrun à côté de moi et ça me motive. Ça m'évite de faire des conneries et je focus du coup. Je fais comme si je ne vous parlais pas. Il y a même les couloirs en pierre, comme à l'époque. Alors, niveau intérêt, je reste à ce que j'ai dit précédemment. C'est rigolo de jouer à ça. Je pense que c'est encore davantage rigolo qu'à ce moment-là, vous preniez la manette et vous la filiez au môme. Parce que là, ils vont piger pourquoi les jeux étaient un peu durs. Et du coup, bah, pour le grand AD, il n'y a pas un gros intérêt, à part la narration. Mais pour vos mômes, je vous garantis que le jeu, ça va les amuser. En plus, ils sont pas trop compliqués, ils sont très accessibles. Donc comme je l'ai dit en début de stream, c'est vraiment... moi, cette chronique, je vous invite à la partager et vous la mater en famille. 216. Ça va être une grosse tranche de circuit. Almost every night, standing there beside the other players, watching every move their fingers made. This was the real thing. Another life was just one credit away. Down here, I found new worlds, a new meaning. I could be whoever I wanted to be. Travel to outer space, experience fantasy and fear, or just take a walk on the wild side of town. But nothing could beat the rush of the highway. The speeding cars, reminding me that there was a way out, a road to somewhere. The city on the horizon. I'd drive all night to get to that place. It wasn't just about the escape. It was about transformation. For every visit I made, every game I uncovered, every move I mastered, I felt stronger, more confident. Some guys said I was nothing but a dreamer, completely out of touch with reality. But I don't know. Down here, I was free. I was in control. No one told me where to go or what to do. The only bad part about it was having to come back up to the real world. Thank you.
j'aimerais trop qu'il y ait une partie Paperboy. Oui, je sais, je suis pervers. Back when we were kids, life was so much easier. You could go from bug collector in the morning to bank robber before bedtime. Anything was possible. Then came high school, and everyone got brainwashed. People started seeing you the way they wanted to see you. Be the brain, be the clown, be the troublemaker, be popular. People would define you in the most convenient way. And then, that's who you are. Say that when you grow up, something inside you dies. I'm still not sure if that's good or bad. When you're a child, shadows seem darker and lights seem brighter. Everything is more terrifying and more exciting at the same time. Nouveau jeu. Shadowplay. Ouh, ça sent le ninja. Alors donc, vous avez vu, no bullshit, le jeu est vraiment très rigolo parce que il vous présente différents gameplays qui ne surprendront pas les rétro-nostalgiques, mais qui pourront bien amuser les mômes. Et puis, c'est surtout sa narration qui est vraiment intéressante parce qu'elle nous traverse directement puisqu'elle nous concerne plus qu'autre chose. On a vécu ces trucs-là et c'est super bien fait. Alors, ça peut être un peu long pour les gens qui se disent « Non, mais moi, je suis venu pour jouer. » C'est une erreur. Venez pas uniquement pour jouer. Venez pour faire, comme on fait ce soir pour cette émission, pour partager. Et ouais. C'est parti. J'ai mis mon petit masque de ninja. Swish, swish, swish. Ah, je peux faire des comme ça aussi. Je peux passer dessus. Ok, faut que je. Je vais peut-être prendre ça. Bon, j'y pense comme ça accessoirement. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je suis pas le meilleur des ninjas du monde, ça n'a jamais été ma prétention, les aninges. Alors, est-ce que c'est du die and retry stupide avec de la mémorisation simple? Oui, j'en ai bien peur. Mais bon, on peut pas tout avoir, les aninges, hein. Et puis, regardez-moi ça, ce beau scrolling différentiel. J'ai fait de la... Enfin, pas terrible, quoi.
serait bien que j'arrive à un checkpoint là, parce que ça serait ballot de mourir. Qu'est-ce que je disais? Non, rien, rien du tout. Où va-t-il me remettre? Ah, tant que tu mémorises pas, tu repars au tout début, mon ami. Bah, heureusement que je me suis pas planté avec le jeu de voiture, parce que ça aurait été moche. Regardez, très moche. Alors, je vous préviens que c'est la dernière tentative. Si je n'arrive pas à passer ce tableau, tant pis pour vous. Vous serez obligé d'attendre un autre stream, peut-être, pour en voir davantage. C'est un super pouvoir, mais je viens de me paumer connement en faisant une fausse manip. Encore une partie. Alors c'est rigolo parce que le jeu est quand même assez généreux, malgré que les phases soient relativement courtes sur les différentes parties de jeu. Et derrière, pour l'instant, plus que les programmeurs, je trouve, je pense que c'est les graphistes qui ont eu énormément de boulot, parce que je sais pas si vous voyez tout ce qui bouge. Bien qu'il y ait beaucoup d'éléments qui soient répétés, puisque c'était ça la grosse astuce à l'époque. C'était de servir d'un motif, les fameux patterns. Et puis de... Par contre, ce pattern, bah, pouvoir décliner des tas d'autres objets comme ça. Oh là là, les rats. Et donc, en faisant varier les patterns comme ça, bah, y avait moyen de faire un truc marrant. Ah oui, c'est fatidique ça. Ça ne pardonne pas. Game over. Est-ce que je vous en fais voir davantage? On essaie de finir celui-là? Allez. Dernière tentative, hein, comme tout à l'heure. Si ça passe pas, tant pis pour vous. Vous n'en verrez pas plus. Vous pourrez attendre un autre stream. Vous attendrez un autre stream. Mieux, vous essayerez par vous-même ce jeu. Encore? Je croyais que j'étais game over, les amis. Je vais être game over, peut-être pas. Mais ça va être game over dans pas long. Souplesse ninja laisse à désirer, hein, je trouve. Elle laisse beaucoup à désirer. Il veut pas que je finisse. Il veut pas que je ne vous fasse pas voir. Oui, c'est une double négation. Un de ces nombreux paradoxes du langage. Réussir, tu vas, jeune padawan. Je te le dis en vérité. À force de faire des conneries. Pas sûr, hein. Je trouve que vous avez une trop grosse confiance en moi.
La musique derrière, ça, ça ressemble à quelque chose. Vous trouvez pas que ça a une petite... Ayudo. Ayudo. Je suis mort. On va pas rester sur ce niveau éternellement. On va sortir. On va sortir parce que le but, c'est quand même pas de vous faire voir tout non plus. C'est pas de, de vous spoiler et puis c'est pas de faire une démonstration de mes talents absolument merveilleux. Donc je vous aurais fait voir ce qui résume l'essentiel de ce jeu, qui est 1980X, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pixel love. Et vous voyez que les gars se sont quand même bien éclatés. Puisqu'ils se sont dit, on va faire plein de petits mini-jeux qui reprennent tout ce qui a été fait en production dans les années 80 jusqu'à 90. Et puis on va les compiler. Mais pour les compiler, on va pas mettre ça dans un truc avec un hub central tout con. Non, on va mettre une histoire par-dessus. Et je dois vous avouer que je n'en sais pas plus que vous pour l'instant concernant cette histoire, mais si elle arrive à nous tenir un petit peu en haleine aussi, et puis nous titiller aux endroits où les émotions se cachent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc 1980X, c'est un très bon jeu. On est curieux de voir ce qu'il va y avoir après, puisque vu que c'est une multitude de jeux qui ont été... ont été mis ensemble, il est fort probable que ce soit une série qui se vende en épisodes pour rajouter, bah oui, de nouvelles expériences de rétro gameplay. Et ouais, l'idée est fort bonne. Maintenant, il faut voir si dans ces gameplays, on va avoir des choses qui sont vraiment exceptionnelles à jouer. Et ce qui est très très dur, puisque les programmeurs ne sont pas de sang, et du coup, ça va leur demander masse de boulot. Et les graphistes derrière, eux, je me fais pas trop de soucis, ils ont l'air de relativement assurés. Voilà, c'était le dernier numéro de la saison. Non, il en reste encore deux, vous me dites. Mardi et mercredi. Bon, si vous voulez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Je vous invite à aller jeter un œil aussi dans la boutique Goodies qui vient d'ouvrir. Vous avez le lien juste en dessous, en description. Et ça aidera à soutenir la chaîne pour sa grosse rentrée qui l'attend. Parce que pendant que vous bronzerez, je vous garantis que moi, je serai en face d'écran à vous préparer cette damnée rentrée. Je vous fais des bisous tout plein au môme aussi. Profitez des vacances, coupez-vous des écrans si vous en avez l'opportunité, ça fait du bien aussi. Allez, ciao! Comment ça, j'ai oublié les deux playlists habituelles et le bouton d'abonnement? Mais pas du tout, regarde. Amateur.